Zaka à la prod. Yeah. Comme toi, j'ai vu cette offre tragique venant d'Australie. Grosse panique, certains n'osent pas dire les choses. Donc ma proche anime les causes rallye. Tu comprends pas, écoute les propos que je deal. Hey, on éteint pas un feu avec des larmes de crocodile. À chaque fois, c'est la même, dès que c'est la merde. Toi, dès que c'est l'affaire des statues larmoyants. Hey, je veux pas te vexer, ma frère. Mais ça chiale devant des koalas qui rament pour sortir des flammes. Mais dis-moi, dans ta cuisine, sur la poêle, c'est quoi qui crame? Voilà, je lui crave des leçons de morale. Non, pas vraiment. Juste que ce texte n'a pas de traitement. De façon, t'auras toujours quelque chose à dire. C'est pas grave. C'est comme un combat contre tornade. Je frappe dans le vent. Quelle différence entre cet animal et celui dans ton assiette? Réponse, la réalité fait bien mal quand on l'accepte. Prenons la 7, exemple et puis développons. Je crois que j'ai déjà bien donné le ton. Dans les abattoirs français, on égorge 3 millions par jour. Une cadence. Attends, rendre fou le compte à rebours. Disons que ça tourne à plein régime parce que toi tu consommes. Je sais que c'est pas très chic, mais regarde, quoi tu consommes de faire autrement? Non, juste on t'expose l'effet des températures en hiver qui montent et frôlent l'été. C'est drôle l'effet que ça te fait. Comprends-tu le procédé? L'homme est sur le trône, dans le mal se traîne un gros CV. Vérité dure à avaler, grave, pire à voir. Je m'adresse à toi. Tu seras sûrement ravi de savoir que l'élevage, en plus de tout ce qu'il a d'immonde, est l'un des deux facteurs les plus polluants au monde. Je te parle de vraies choses, non? De réchauffement climatique. Et ce qui m'attriste, c'est ton raisonnement. L'homme a toujours mangé de la viande, hein, donc bon, arrête. Ouais, il a toujours violé des gosses aussi, donc on l'accepte. Déforestation massive pour le gustatif. Agis avant que ta hive vacille, comme l'Australie se calcine. Constate et ose un essai avant que le climat concède. Cause à effet, l'Australie crame à cause de ton steak. Bah oui, yeah. Reste Turner pour la prod, c'est Zaka. Yeah, yeah. S'il y a du news, bah on te préviendra, gros. Au lieu d'écouter Hanouna, tu devrais écouter Aurélien Barreau. C'est évident. Yo, reste Turner, c'était le freestyle actualité 1. Si ça vous plaît, partagez, il y en aura d'autres.